Fonctionne, ça va?
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Nous apportons le dernier acte aujourd'hui de tout un cycle sur les représentations de l'homme préhistorique, cycle que nous avons ouvert au printemps dernier avec différentes expositions qui ont pu être montrées au public pendant une dizaine de mois et qui sont en cours de démontage. Là, vous l'avez vu, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Cycle sur l'augmentation de l'homme préhistorique qui nous a donné lieu à de très riches rencontres avec des artistes, des scientifiques, des sociologues, etc. Et c'est cette formule-là du dialogue que nous allons retrouver aujourd'hui pour cette clôture de cycle, avec notamment le plaisir que nous avons de retrouver Claudine Cohen, que nous avions dans nos locaux il y a à peine 48 heures, dans l'occasion d'une table ronde, et que nous retrouvons aujourd'hui, philosophe, historienne des sciences, en fait, et qui va effectivement participer à un temps d'échange avec Charles Frégé, artiste, photographe, vidéaste, qui a sillonné en fait les différents sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère tout au long de cette année 2021 dans le cadre d'une résidence de recherche artistique qui s'inscrit dans le programme des résidences de l'art. Et donc je suis accompagné de Pierre Ouzeau, de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, qui va effectivement peut-être plus spécifiquement parler de ce dispositif, puisque c'est dans ce cadre que cet après-midi est aussi organisé. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Il sera possible, bien évidemment, d'échanger à la suite avec des différentes interventions avec Charles et avec Claudine. Et ce sera le cas aussi pour les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'établissement. Voilà. Je passe la parole à Pierre Ouzeau, donc de l'Agence culturelle départementale. Merci Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc l'Agence culturelle départementale, c'est un opérateur du conseil départemental missionné sur un service public de la culture sur l'ensemble du territoire, dans le domaine du spectacle vivant, théâtre, musique et danse, dans le domaine des arts visuels et dans le domaine de la culture occitane. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la question des arts visuels. Et avec l'agence, on coordonne un réseau de résidences d'artistes. Alors c'est pareil pour le spectacle vivant, à plusieurs endroits de la Dordogne, avec des partenaires multiples. Le pôle des métiers d'art à Nontron, où on accueille des designers et qui viennent travailler en relation avec les artisans métiers d'art du secteur. On va avoir une prochaine résidence à partir de l'automne au château de Montbéziac avec une association qui s'appelle Les Rives de l'Art sur une thématique. Les thématiques sont toujours très larges. Je vous le donne en mille autour du terroir et du vin. On a actuellement en cours et elle se terminera. Et tiens, je donne l'info. Le vernissage, ça sera le samedi 14 mai à 11 h à Sarlat. Un duo d'artistes, artistes de street art, artistes de rue. La thématique à Sarlat, c'est la question du patrimoine. Et on a donc depuis plusieurs années, et d'autres résidences en Dordogne, je ne vais pas toutes vous les citer, et depuis quelques années, un travail en collaboration, en partenariat avec le PIP, où effectivement, on accueille des artistes qui viennent travailler sur la thématique, je vous la donne en mille, Serge. Tu me suis ou pas? Sur la question de la préhistoire, bien évidemment. Il se trouve qu'on était ravis, on a accueilli depuis un an, en fait, quasiment, le photographe Charles Frégé, ici présent. On avait accueilli son travail, un autre travail, à l'espace culturel François Mitterrand, un très beau travail photographique dans l'esprit de ce qu'il fait depuis de nombreuses années. Et il se trouve qu'il nous avait montré à cette époque-là qu'il avait engagé un travail. Peut-être, je ne sais pas, Charles, si tu vas montrer deux, trois images à ce moment-là. Oui, bien sûr. Quelques images autour de la question de la représentation du geste de la préhistoire. Donc forcément, ça tombait pile poil avec nous, nos préoccupations, à savoir le fait que des artistes viennent et se nourrissent et expérimentent des choses sur le territoire en relation avec
son histoire avec ses habitants, etc. Ces résidences d'artistes, ce n'est pas des résidences, ce n'est pas des commandes photographiques, ce n'est pas des résidences de production. À la fin de la résidence, il n'y a pas forcément, ça peut arriver, mais c'est de façon exceptionnelle, il n'y a pas forcément des productions. Mais en tout cas, on demande à l'artiste de venir travailler. Donc Charles a fait plusieurs séjours, hein, bien évidemment, c'est éclaté sur une année. Mais l'artiste vient se nourrir du patrimoine, de la culture, des habitants, des régions, de sa géographie, enfin, etc. Vient nourrir son travail et vient, en quelque sorte, un peu se mettre en danger, mais en tout cas, expérimenter des choses. Et c'est ce qu'il a fait durant ses multiples séjours. Et c'est de ça dont il va parler, puisque la question principale de la résidence, pour les artistes, c'est de questionner leur travail. Et en même temps qu'ils questionnent leur travail, ils questionnent nous, notre façon, bien évidemment, de voir les choses, et en l'occurrence ici, des questions de représentation du geste de la préhistoire. Donc voilà le lien entre aujourd'hui la conférence d'une part de Claudine Cohen, le travail de Charles, et pourquoi est-ce que l'agence culturelle est associée au PIP aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, lendemain de Grand Chelem. Ça n'a rien à voir, mais il fallait quand même que je le dise. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation et merci pour cette invitation. En mon nom, bien sûr, parce que moi, je suis un petit peu ici pour parler en particulier du travail de Charles Frégé. Et c'est vraiment ça qui va être aujourd'hui le centre de notre dialogue. Alors, représenter l'humanité fossile, ici j'ai mis en exergue en quelque sorte cette fameuse statue que vous pouvez tous voir sur la terrasse du musée, qui date des années 30, 1930, et qui représente, disait André Leroy-Gourhan, près d'un siècle d'erreurs scientifiques, avec ce personnage massif qui est censé représenter un néandertalien, avec son port de tête complètement enfoncé, avec son expression presque bestiale, et puis avec son pouce du pied opposable, et complètement inerte, c'est-à-dire sans geste. On parlait du geste de préhistoire, mais là, on a un individu qui n'a pas de gestuelle, qui est juste là, dans ce corps complètement fantasmé, hypothétique. Et je pense que ce qu'on va vous présenter ici, ça va être un peu le contraire de cela, hein, c'est-à-dire comment faire vivre les êtres de la préhistoire à travers l'image. Alors, vous savez tous que les corps des hommes et des femmes du Paléolithique nous sont connus seulement par quelques vestiges assez rares et fragmentaires, des os, des dents, dans les meilleurs des cas, pour les périodes les plus récentes, des traces d'ADN, mais aussi une grande abondance d'objets, outils de pierre taillée, hein, qui suivent l'itinéraire des hommes fossiles depuis que la taille de la pierre existe, c'est-à-dire plus de 3 millions d'années jusqu'à la fin du Paléolithique. Et puis, pour les périodes les plus récentes du Paléolithique supérieur, eh bien, des figures humaines sculptées, peintes ou gravées, qui nous offrent une vision le plus souvent stylisée et souvent presque abstraite de leur apparence. Alors, certes, les sciences de la préhistoire font un usage énorme de l'image pour beaucoup d'objectifs. D'abord pour figurer et présenter les objets recueillis. Hein, il y a toute cette iconographie des outils, hein, qui est d'ailleurs très codifiée, hein, où on les dessine, on les photographie sous différents angles pour arriver à faire comprendre leur mode d'être de fabrication et d'utilisation, mais aussi pour figurer schématiquement le devenir des espèces et des cultures, et enfin pour reconstituer les êtres du passé lointain. Et c'est de cette dernière chose qu'on va parler, mais je vous montrerai quelques petits schémas avant, de ces reconstitutions qui sont une pratique qui est à la fois une pratique scientifique, hein, parce que très souvent les scientifiques se sont peut-être pas eux-mêmes, mais se sont attachés des artistes qui ont mis en scène, en quelque sorte, leur découverte. Mais c'est aussi une pratique artistique en soi,
Et il y a un certain nombre d'artistes qui ont développé leur œuvre autour de ces questions de préhistoire et de l'image des hommes fossiles. Alors, juste pour le plaisir, parce que je viens de finir un livre sur justement ces arbres d'évolution, pardon, voilà, je vous ai montré quelques arbres qui sont des schémas, hein, ce n'est pas des images vraiment d'hommes fossiles ou de gestes fossiles, mais c'est toute une théorisation de l'évolution qui est inscrite dans ces schémas et qui font aussi partie intégrante de l'iconographie paléolithique. Voilà un autre schéma, enfin ce sont deux schémas, le premier est celui de Darwin, celui qui est à droite représente toutes les interactions, toutes les hybridations entre différentes espèces d'humains dans les dernières époques du paléolithique. Et ça, c'est pour mémoire tout le tableau d'évolution de la famille humaine. Vous voyez qu'elle est immense et extrêmement variée, dispersée, aussi bien dans le temps que dans l'espace, jusqu'à notre espèce Homo sapiens qui existe seulement sur ce petit carré rouge ici, et qui est ce que l'on connaît le mieux, évidemment. Voilà, et puis encore un autre arbre qui représente l'évolution des outils moustériens, du paléolithique inférieur et moyen, par François Borde. Donc, vous voyez, il y a des schémas, il y a des images abstraites, mais il y a aussi des images beaucoup plus concrètes. Et depuis plus de 150 ans, de nombreux artistes, donc sculpteurs, dessinateurs, peintres, plasticiens, photographes, cinéastes, souvent en rapport avec les scientifiques, se sont attachés à reconstituer en chair et en os, si on peut dire, ces hommes et ces femmes de la préhistoire. Alors, ils ont tenté d'incarner l'allure, la gestuelle, la couleur de peau, des yeux, les traits du visage, la pilosité, la robustesse ou la gracilité, les vêtements et les armes. Et ils ont donc livré des scènes de la vie préhistorique qui sont un foyer d'inspiration toujours renouvelé pour la créativité artistique, mais qui ont aussi façonné, en quelque sorte, l'imaginaire de la préhistoire dans le public. Et nous sommes un peu les héritiers de toute cette imagerie qui a traversé depuis 150 ans la vulgarisation de la préhistoire, sa diffusion et sa présentation au public. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces reconstitutions ont une histoire. Elles sont informées, bien sûr, par les découvertes scientifiques et elles se transforment avec elles, mais elles doivent aussi beaucoup au lieu et au moment où elles ont été faites, et produites et présentées. Elles doivent beaucoup à l'imaginaire d'un temps et d'un lieu. Et si j'ai le temps, j'espère un petit peu, je vous montrerai comment, du milieu du 19e siècle à nos jours, de la France à l'Angleterre, des États-Unis à la Russie, toute une diversité de représentations traduisent les contextes, les enjeux et les idéologies sociopolitiques qui les portent. Je ne ferai que quelques brèves excursions autour de cela, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, représenter. Il s'agit bien de représenter, et je sais qu'il y a tout un cycle ici autour de cette question de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire représenter ? Représenter, ça veut dire d'abord rendre présent, c'est-à-dire faire vivre quelque chose, comme je disais tout à l'heure, en chair et en os, et ici, à partir donc de ce matériel sec, les cailloux, les ossements, etc., et ainsi reconstituer ce qui n'existe que de façon morcelé et qui ne donne pas vraiment de visibilité sur la vie concrète de ces êtres. Alors évidemment, rendre présent ce qui est mort, ce qui est disparu, ce qui a disparu depuis des millénaires, ça se heurte à pas mal de problèmes. Donc, d'abord, le problème de la reconstitution anatomique d'une humanité différente de nous, anatomiquement et culturellement différente de nous. Il faut arriver à avoir une idée du squelette, non seulement du squelette entier, parce qu'il y en a qui sont connus que par une dent ou quelques os, mais aussi du corps, non seulement dans sa stature, mais aussi dans sa musculature, dans
son revêtement de chair, pileux, etc. Donc il y a toute une nécessité de reconstituer ces êtres et qui pose toutes sortes de problèmes. Mais il y a aussi, qui se superpose à cela, l'incidence donc, des cadres d'anthropologie d'un temps sur cette reconstitution. Et on verra tout à l'heure que, par exemple, la notion de race, qui a été prégnante dans l'anthropologie de la fin du XIXe siècle et jusque dans les premières décennies du XXe siècle, a joué aussi un rôle dans cette visualisation, en quelque sorte, de ces hommes fossiles. Et puis, à partir de là, il y a aussi la question des cultures et de ces objets hein, dont nous savons plus ou moins comment ils ont été fabriqués, comment ils ont été utilisés. Et donc, c'est toute une science qui tourne autour de ces questions de la fabrication, de l'utilisation des outils de pierre. Et il s'agit donc, dans ces représentations, de mettre en scène les cultures préhistoriques connues, mais aussi, dans le meilleur des cas, l'environnement naturel, climatique, végétal, animal. Et évidemment, ces reconstitutions, ces représentations, elles sont aussi tributaires des supports. Je parlais tout à l'heure de la peinture, de la sculpture, du cinéma, de la photo, qui induisent des formes de représentation variées, différentes. Alors, le mot représentation, c'est aussi un mot qui fait partie du domaine de l'histoire ou de la sociologie, hein, et qui désigne aussi nos représentations mentales, les idées, les idéologies, les intentions, les savoirs que nous avons dans la tête et qui nous conduisent à accepter ou à produire telle ou telle image de l'homme fossile. Et cet imaginaire que nous avons depuis 150 ans, qui est aussi présente à l'esprit des gens qui reconstituent ces êtres de la préhistoire, eh bien, on peut dire qu'il est assez composite. Hein. Il a longtemps été influencé par les cadres religieux. Il est aussi influencé par une certaine vision de ce qu'on appelait la primitivité, hein, parce que pendant longtemps, on a considéré que les préhistoriques étaient des primitifs, au sens où ils étaient les premiers êtres, comme aujourd'hui les peuples non-européens ont souvent été considérés comme étant primitifs, c'est-à-dire restés à des stades premiers. Hein. Donc il y a tout cet imaginaire autour du primitif qui est investi là. Mais aussi, il y a la volonté de faire science, de vouloir dire quelque chose de vrai à travers ces images. Et enfin, cette volonté de rendre compte d'une origine, volonté qui est souvent ancrée dans une appartenance à un territoire ou à une revendication identitaire. Ce n'est pas la même chose de représenter des hommes fossiles en Chine, en Russie, aux États-Unis, en France. Il y a tout un imaginaire aussi propre à ces sens identitaires, si vous voulez, qui sont traduits à travers ces images. Donc, vous voyez, c'est une affaire assez compliquée qui va s'exposer dans ce genre artistique, ce genre artistico-scientifique que constituent les représentations de la préhistoire. Et Philippe Dagen et toute son équipe qui avait produit ce livre intitulé « Vénus et Caïn » en 2003 avaient en quelque sorte limité à 1860 à 1910 l'émergence en quelque sorte de ce genre. Mais je pense que, bien sûr, ça dépasse très largement cette période et que jusqu'à nos jours, il y a un genre artistique qui s'est modalisé à travers non seulement l'illustration, la gravure, mais aussi la peinture, la sculpture, la photographie, et nous a livré à travers le temps, à travers l'espace, une grande diversité de ces images, grande diversité, mais aussi parfois une certaine répétition, et on verra qu'il y a des thèmes, même des images qui ressurgissent au cours de l'histoire de ces représentations. Alors, voilà. Donc, nous sommes ici pour grande partie pour écouter et voir surtout le travail formidable de Charles Frégé. Moi, c'est un très grand honneur de pouvoir ici présenter avec lui ce travail. Et
Et donc, j'ai préparé un certain nombre de questions pour qu'il puisse à la fois nous répondre sur ses propres intentions, sur son propre univers et sur ses objectifs, mais aussi pour qu'il puisse nous montrer ses photos et nous les commenter. Alors, bon, vous savez tous que Charles Frégé a fait toute une... un travail sur l'image de l'homme sauvage. Il y a eu une exposition ici qui a eu lieu en 2015, je crois. Et donc, je voulais lui demander comment il était arrivé à la préhistoire. Comment peut-être à partir de ce travail sur l'homme sauvage, eh bien, il était arrivé à avoir envie de travailler sur la figure de l'homme préhistorique. Je réponds à ça. Alors, attends, on va aller voir. Peut-être pas, hein, peut-être je me trompe, c'est peut-être un autre espace. Alors, attends. Ben, peut-être on peut juste rapidement, pour peut-être les gens qui n'ont jamais vu Wildermann. Voilà. Pour avoir un point de repère, donc. Ben, ça s'est un peu passé ici, en fait. Le moment où Wildermann a été exposé en 2015. Ce qui était assez étonnant, donc moi j'étais plutôt sur un projet qui parlait de mascarades d'hiver en Europe, donc des portraits, presque des silhouettes de l'homme sauvage, entre guillemets. Et puis, quand il y a eu cette exposition au PIP, il y avait ce texte de Jean Clot qui avait été écrit pour introduire l'exposition et il abordait, alors je ne me rappelle plus du texte en détail, mais il abordait le travail sur l'homme sauvage par le prisme de la préhistoire, ce qui était pour moi pas habituel puisque c'était un projet qui était plutôt exposé dans des musées d'ethnologie ou d'art contemporain ou de photographie. Alors ça m'a même questionné sur l'origine de cette représentation de l'homme sauvage qu'on connaissait par le Moyen-Âge, par Bruegel, par l'héraldique, par toute une matière qui représente l'ours dans la représentation européenne. Et puis j'ai commencé à me poser la question de travailler sur les représentations, de me dire que peut-être que mon travail photographique c'était aussi un travail sur la représentation. Ce qui m'a amené en fait assez vite à travailler sur le principe de la silhouette. Alors peut-être que c'est un peu particulier, mais là on remonte en Normandie, là, parce que moi j'habite à Rouen. C'est quand même là où a fini Jeanne d'Arc. Alors ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire de démarrer au 19e siècle avec ce grand moment, ce grand tournant où Jeanne d'Arc... devenue un personnage, elle avait vraiment disparu des radars de l'histoire. Et puis après un texte de Voltaire, elle réapparaît. Et puis il y a une profusion d'images autour de la représentation de Jeanne d'Arc qui va passer par des styles différents, des moments différents. Et ce qu'a dit Claudine tout à l'heure sur simplement l'idée que chaque époque en fait s'approprie l'image et recrée l'image d'un personnage, ça peut aussi bien sur l'histoire, on peut se positionner aussi bien sur la présentation de l'homme de la préhistoire que de Jeanne d'Arc, que beaucoup de chapitres de l'histoire de notre monde, si j'ose dire. Donc En partant d'un projet assez court, qui est l'épopée de Jeanne d'Arc, de me positionner sur des types de représentations, de dire alors comment on a représenté Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on a voulu lui faire dire, de quoi on s'est inspiré à un moment donné, pour quelles raisons. Donc évidemment, quand on parle de Jeanne d'Arc, on glisse aussi bien de l'image de la peinture troubadour au moment entre de l'annexion de l'Alsace-Lorraine et donc de l'utilisation de la silhouette de Jeanne d'Arc comme un personnage national, et puis évidemment aussi toutes les représentations religieuses. Voilà, donc ce qui m'a amené en fait à travailler comme ça sur le principe de la silhouette, peut-être parce que d'une certaine façon, la silhouette photographique, elle me permet de travailler avec une sorte de distance, de remettre en scène, de réfléchir à ce qu'est une image. Et plutôt même, on pourrait même parler en termes plus que d'image, mais d'imagerie.
Alors, ce que j'entends par imagerie, c'est une production massive, c'est une production. On a un peu court sur la connexion. C'est une production pour un public, un grand public, avec différents objectifs. Ce qui fait que donc, après ma venue au PIP, j'ai commencé à travailler sur ce projet de la représentation de la préhistoire. Alors, le titre pompeux étant la préhistoire, et en sous-titre d'audacieuse reconstitution d'hommes fossiles, qui vient en fait pris dans un livre du 19e siècle, d'audacieuse reconstitution d'hommes fossiles. Donc, pour moi, c'est le point de départ. Donc, se documenter, trouver de la matière, et Dieu sait que dans la préhistoire, il y a une littérature, et puis d'aller chercher évidemment. Ses premiers livres, ses premiers écrits, les premiers dessins, la peinture, le cinéma, la publicité, et puis de chercher ce qui est un peu leitmotiv dans ses représentations. Alors, ce que vous pouvez voir ici, évidemment, par exemple, c'est celle que tout le monde connaît. Donc, celle-là, par exemple, a été réalisée dans les salles de l'ancien musée Guimet à Lyon. Ça se passe avec. Donc, c'est vraiment un travail de silhouette photographique en contre-jour avec des modèles, des maquilleuses. C'est une production qui est une production avec des équipes, des costumiers, etc. Beaucoup de poils. Et puis, on remet en scène en suivant un peu à la fois cette imagerie qui sert de référence. Mais aussi, c'est aussi une approche assez instinctive de cette imagerie. C'est par exemple, celle-là, vous la connaissez tous. Elle fait partie de votre imaginaire et vous projetez tous quelque chose dessus. Évidemment, elle est fausse, tout ça, ça peut se discuter. Mais d'ailleurs, c'est indiscutable. Mais en tout cas, paradoxalement, si on doit faire image de la préhistoire, c'est celle-là qui va rester. Et donc, ça m'a fait me poser la question de... Est-ce qu'il y a une image qui a plus de valeur qu'une autre image? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Faire science. C'est-à-dire, la question à la fin, c'est que cette image-là, qui a été faite pour Life Magazine, dans les années 60, elle était censée faire science. Et d'ailleurs, elle était beaucoup plus longue. Il y avait beaucoup plus de personnages. Attends, je peux juste expliquer un tout petit peu. Je vous ai montré en commençant les arbres, hein, l'évolution, il est clair que cette image-là, qui traduit une évolution non linéaire, est complètement à l'opposé de cette vision arborescente de l'évolution. Et en cela, elle ne reflète plus du tout la manière dont nous percevons aujourd'hui le devenir humain, mais elle est iconique et elle est effectivement présente encore, non seulement dans les représentations vulgarisées, mais dans l'esprit de chacun, et même très souvent aussi caricaturé. Oui, bien sûr. C'est la question vraiment de l'imaginaire, de faire la part des choses entre ce qui est l'imaginaire, aussi bien que ce soit de la manière dont on a représenté Jeanne d'Arc ou Vercingétorix, mais de la manière dont on pourrait représenter l'homme de Néandertal. Qu'est-ce qu'on a envie de lui faire dire à un moment donné dans notre contexte? Qu'est-ce qu'on cherche à raconter? Donc, et évidemment, en se documentant et sur plusieurs années comme ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans les foires à tout, de ramasser tous les livres de vulgarisation de la préhistoire, tous les livres pour les enfants. Il suffit d'aller dans le magasin du PIP. Il y a aussi cette profusion de bandes dessinées, de photographies, de dessins, etc. Et puis, on voit que quoi qu'on en fasse, ces icônes restent. Sont utilisés pour alors dans le panorama des ESI, on va voir que on va utiliser cette image de l'évolution pour faire de la promotion d'un restaurant ou même à l'entrée de l'abri de Cro-Magnon. Exact. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que on est au-delà en fait de la science. On est dans l'idée de l'imaginaire. C'est-à-dire pour moi, la préhistoire avant tout, dans mon domaine, c'est une source qui nourrit de l'imaginaire. Et je trouve que la préhistoire, elle existe parce qu'elle est imaginaire. Pas pour Serge, qui tape dans du dur, mais pour moi, la préhistoire, c'est de l'abstraction. Donc, donc ça m'a emmené. Alors, on ne va peut-être pas faire le tour de beaucoup d'images, mais je propose qu'on en regarde quelques-unes et puis on en parle. Ouais. Ouais, peut-être. Par exemple, celle-là.
Voilà. Donc là, c'est une photographie qui a été mise en scène avec, encore une fois, des modèles, avec un facsimilé. C'est presque comme si l'image elle-même jouait sur la notion de facsimilé. C'est pour ça que ça m'a aussi intéressé, le rapport au réel. J'ai aussi photographié beaucoup de facsimilés en me disant que le facsimilé, parfois, avait autant de valeur que l'objet réel. Donc, tu veux... Donc là, par exemple, simplement, il y a presque des typologies de représentation. Ici, par exemple, le retour de chasse, on est toujours dans un rapport à une imagerie collective. Par exemple, celle-là qui est la plus d'inspiration grecque, si j'ose dire, et légèrement porno-érotique. Des chasseurs aux aguets avec un couteau absolument authentique réalisé par Serge Maury. Qui ressemble plutôt au couteau de Rahan, n'est-ce pas, fait avec de l'os. Et puis donc une femme, dans une représentation qui est plutôt inspirée du 19e siècle, sur socle. Donc on a aussi joué sur le principe du socle, donc de dire faire musée. Ça questionne le diorama, ça questionne comment à un moment des artistes, des sculpteurs reconstituent, imaginent, avec leur fantasme, avec leur imagine, avec vraiment, là on peut parler de fantasme, une scène où il y a l'homme, la femme est accroupie un peu comme une pin-up. Elle est armée quand même, mais bon, elle observe. Et puis, donc là, on est sur une scène d'attente. Il y a beaucoup de scènes de chasse ou de retour de chasse. Et puis évidemment, celle-là qui est vraiment plus de la reconstitution d'une gravure. Précisément, c'était celle-là, tout le monde la connaît. Donc la bataille entre le duel entre l'homme et l'ours des cavernes, avec un couteau encore aussi assez imaginaire. Donc on est dans des contextes qui sont plutôt 19e. Là, on est au Musée d'histoire naturelle de Rouen, dans les réserves. Donc on a travaillé aussi au musée Guimet. Et puis, on a aussi travaillé dans des lieux qui avaient un lien direct avec tout ça. Les anciennes salles de dessin de l'École des Beaux-Arts de Rouen, des salles du 19e de l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui sont à chaque fois des lieux où on sent qu'il y a une possibilité, un lien avec un imaginaire autour de cette préhistoire. Ici, la représentation de l'homme d'Ekel. Donc, où on est vraiment dans un personnage brut. Tu veux en parler? Ouais, on pourra le voir après. Et puis, donc, avec toujours ce rapport avec le retour de chasse et évidemment le rapport au genre, où très souvent la femme est représentée en arrière-plan, c'est-à-dire elle n'est pas dans la chasse, très souvent elle est plutôt dans le travail de dépeçage, le tannage. Donc on va retrouver ça par exemple sur des livres pour enfants qui sont très récents. Le moindre livre pour enfants, on verra des scènes de tannage où les femmes sont au boulot, à quatre pattes, et elles travaillent la peau. Et puis, encore une fois, les scènes de retour de chasse. Et on n'exclut pas non plus, dans certaines représentations, par exemple, le rapport à la famille telle que nous, on la conçoit. Ça veut dire le papa, la maman, les enfants, avec chacun son rôle, avec chacun sa part, sa place dans une hiérarchie familiale. De la construction de ces images, du casting, de la manière dont... Les castings, c'est comique, mais il a fallu trouver des gens qui voulaient bien poser comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi pareil, il y a aussi un lien à l'imaginaire. Si vous faites vous posez des annonces sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et vous dites on cherche des gens qui pensent avoir un corps ou un visage qui pourrait être un visage d'un homme de Néandertal, etc. Et là, les gens vous répondent en disant « Ah oui, on connaît, il y a Jean-Pierre de Lyon qui a vraiment le visage d'un homme de Néandertal. » Alors, donc,
on me donne des coordonnées, etc. Alors, ça passe par d'anciens élèves des écoles d'art, des clubs de cyclistes, parce qu'ils ont des corps très fins, etc., qui nous permettaient de photographier aussi, par exemple, des hommes très, très, très musclés, très secs, mais aussi des groupes échangistes, des naturistes. Donc, tous ces gens qui sont prêts à un moment à se promener dans un musée, le sexe à l'air, quoi. Et puis, ça, c'était assez drôle après, avec tout un travail de maquillage, mais aussi des familles entières qui sont venues poser parce que c'était un moment assez convivial. Et donc là, on rejoue, en fait, par exemple ici, avec un escabeau en bois, etc. Mais on rejoue dans une salle du musée Guimet, donc une salle vraiment du 19e qui est dans son jus. On rejoue une scène de peinture rupestre. Donc, en jouant évidemment sur le rapport aux ombres, l'ombre d'un taureau en haut à gauche, et puis les objets qu'on voit sur beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations, où on voit un homme perché sur un tronc d'arbre qui sert un peu d'échelle, en train de dessiner avec un bout de bois qui a été émoussé pour créer le pinceau. On a même parfois travaillé avec les anciennes vitrines du musée Guimet. Ici, par exemple, ce qui pourrait être une représentation de deux hommes. Alors, je ne sais plus, moi, je ne suis pas très fort sur... En tout cas, ceux-là, je pense que c'est les Homo erectus qui sont en train de se cogner dessus. Là, ça va mal finir. Et puis, on a arrêté quand il y a eu trop de buée dans la vitrine. Mais donc, voilà, encore une fois, ce principe des gens qui pensent et qui imaginent. Donc, ce n'est pas seulement mon imaginaire, mais c'est le moment où ces gens qui viennent jouer le rôle savent très bien comment faire, en fait. C'est-à-dire qu'en eux, il y a déjà cette histoire. Ils ont déjà vu les films, ils ont déjà une idée. Pour eux, un homme de la préhistoire, quel qu'il soit, d'ailleurs, il est courbé sur lui-même. Ça n'a pas changé tout ça. En fait, j'ai le regret de vous dire que tout le travail que vous faites en ce moment ne sert littéralement à rien. Et moi, je suis en train de travailler contre vous en plus, puisque je perpétue l'idée que l'homme des cavernes est courbé sur lui-même et porte une peau de bête. Et donc, ça va mettre du temps à changer tout ça, puisque la famille Pierre à feu et Raon, c'est plus fort que toi, Serge. Et ça va durer. Donc, quand les gens venaient poser, il y avait vraiment... presque comme s'il savait très bien interpréter l'homme de la préhistoire. Tu veux dire quelque chose ? Non. Alors, peut-être on va avancer un petit peu, mais il y a une question quand même que je voulais poser. Bon, tu as présenté ce premier projet sur les silhouettes avec Jeanne d'Arc, mais cet usage de la silhouette pour la préhistoire est très frappant. Quand on sait, et on va le voir dans ce que je vais essayer de présenter plus tard, que... au contraire, toute la tradition de l'iconographie préhistorique s'efforce de présenter vraiment des gens colorés, vêtus, avec des visages plus ou moins expressifs, etc. Et justement, ton travail s'inscrit vraiment en contrepoint de toutes ces tentatives-là. Et je voulais savoir comment tu justifier cet usage, à mon avis, très, très intéressant, de la silhouette et de l'absence de visage. Alors, la silhouette, elle est toujours utilisée. C'est assez commun d'utiliser la silhouette, et ça a été assez commun dans plein de représentations historiques. La silhouette, c'est vraiment, d'abord, c'est photographique. Avant même de faire de la photographie, on a fait de la silhouette. Évidemment, ce n'est pas déconnecté, évidemment, de la peinture rupestre avec les mains en négatif, etc. Mais avant tout, la silhouette, c'est un lieu de projection. C'est-à-dire que dans cette masse noire, c'est vous qui faites le reste du travail. C'est pas une histoire d'abstraction, mais quand même, il y a le fait que la personne qui regarde reprojette son imaginaire dans la silhouette, ce qui fonctionne relativement bien. Par exemple, là, c'est un homme de Néandertal avec un lièvre qui rentre de la chasse dans une vitrine du musée Guimet. Vous savez très bien sa tête, vous l'imaginez parfaitement, vous avez une idée de la tête qu'il devrait avoir, quoi. Donc on sait s'appuyer sur votre imaginaire, en fait. Et c'est à mon avis cet imaginaire-là qui est plus fort que tout, c'est l'imaginaire collectif.
Merci. On va peut-être avancer un petit peu. Tu peux me remettre le PowerPoint, oui, s'il te plaît. Comme ça, vous avez une idée assez précise de la manière dont, Charles travaille. Alors, attends, diaporama, oui. À partir, bon, on va le faire à partir du début. Ah, attends. Alors, pourquoi les silhouettes? Bon, ça, c'est fait. Alors, il y a aussi la question de l'image statique et du film. Parce que tout à l'heure, tu vas nous montrer, à la fin de cette séance, on va voir un film que tu as fait, justement avec Serge Maury, qui s'intitule La transmission, hein, et qui présente justement un passage, une passation de savoir à travers la gestuelle, beaucoup plus qu'à travers les paroles, entre un homme déjà bien formé et un jeune qui apprend à tailler des outils. Mmh. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui, pour toi, quelle est la valeur du film par rapport à l'image statique? Comment tu Alors, le, en fait, la, pourquoi d'abord je suis venu en résidence ici? Parce que le travail que vous avez vu tout à l'heure sur ces photographies, elles sont préalables à ma résidence. Donc, il était question de réfléchir à un projet d'exposition. On était en plein confinement. Donc, il y avait la question de savoir, est-ce que ce travail photographique que je vous ai montré là, que je peux vous montrer encore un peu, aurait valeur à être exposé? Et donc, pour moi, cette résidence, c'était de venir tester ça, c'est-à-dire d'aller plus loin. Moi, j'ai un peu passé la charrue avant les bœufs. J'ai travaillé sur la préhistoire avant même d'aller parfois voir des sites fondamentaux de la préhistoire. Et donc, l'opportunité, c'était venir ici, aller voir, en plus dans des moments privilégiés où il n'y avait plus personne dans les grottes, pouvoir aller dans les grottes, pouvoir aller sur les sites, rencontrer les gens presque un par un, et puis interagir avec beaucoup les grottes d'ailleurs, ou les abris, etc., et me questionner sur la manière dont, à chaque fois où je rentrais dans ces sites, que vous connaissez probablement tous, puisqu'ici ça fait partie de votre panorama, de questionner comment on raconte, comment on m'introduit cette histoire. Et puis, j'ai trouvé que c'était assez passionnant, en fait, parce que l'enjeu à chaque fois, aussi peut-être parce que je suis photographe, l'enjeu, c'était toujours le rapport à l'imaginaire. Comment, quand vous rentrez à Lascaux 4, à Lascaux 2, dans n'importe quelle de ces grottes, à ces Cap Blanc, c'est ça? Comment, à un moment, vous arrivez à Cap Blanc, il y a une peinture, assez moche d'ailleurs, des années 80, avec qui est vraiment de la représentation. On voit des femmes qui ressemblent à Chantal Goya avec des jupettes. Et puis, il y a la rivière qui passe et puis ils sont en train de voir, je crois que c'est des chevaux ou des rennes. Donc, ils font des sauts sur place en se disant qu'il faut partir à la chasse et tout. Et puis, dans une vitrine, il y a un buste de l'atelier d'Aînès avec des parures. Et puis, une vitrine presque 19e avec des objets taillés. Et là, l'animateur qui nous fait rentrer seul avec ce relief des chevaux qui est sidérant, sort un objet qui vient des tribus, qui vient de si je ne me trompe pas, d'Australie, et nous parle de la musique pendant la préhistoire et fait tourner un objet qui fait du son avec le vent. J'espère qu'il n'est pas là parce que. Et donc, là, ce qui se déploie devant moi avant que j'aille voir les chevaux, c'est assez dingue. C'est-à-dire, c'est des interprétations à plat dans une vitrine. Le travail de Dénès, qui est aussi un travail sur la représentation, parce que c'est aussi une interprétation. Et puis, ce monsieur qui est plutôt médiateur, qui doit d'habitude s'occuper de classes avec 25 élèves, qui, et pour les tenir, il sort son objet. Il chope l'attention comme ça. Et puis là, ça fait une sorte de grande bouillabaisse. Et puis après, vous allez voir les chevaux. Et ça, je trouve ça fascinant parce que tous les sites ont ce même rapport. Il y a toujours un moment où vous rentrez, même ici au PIP, vous rentrez dans l'espace. Il y a le temps scientifique, il y a le temps de la boutique, les, les,
les objets qui sont du divertissement. Il y a les pierres taillées en résine qu'on peut acheter pour 18 euros là-haut. Les bandes dessinées, c'est comme si tout travaillait contre tout. C'est comme s'il y avait chaque. Dans cet espace-là, on voit des gens. Il y a d'un côté des scientifiques qui vont dans une direction, qui ne sont pas tous d'accord. Et puis des gens qui font du commerce en face, donc qui exploitent une imagerie et puis qui essayent de gagner de l'argent avec cette imagerie. Et puis vous avez des gens qui font de la restauration, qui font de l'hôtellerie, etc. Des gens qui vendent des souvenirs. Et puis tous les loisirs autour. Hein. Vous pouvez aller voir des dinosaures pas loin d'ici, etc. Et je me suis dit, c'est toujours ça l'enjeu, en fait. C'est-à-dire que vous faites une visite avec le monsieur de Rouffignac. Et on l'a fait trois fois, la visite. Et puis, c'est quelqu'un qui est scientifique, c'est quelqu'un qui est sachant. Il a vraiment une culture énorme. Et on voit qu'il est constamment en train de se retenir, de ne pas laisser galoper l'imaginaire, de ne pas émettre trop d'hypothèses. C'est-à-dire que nous, on arrive dans une grotte avec un train, ce qui est quand même assez fantaisiste. Et là, on arrive au fond, on voit les mammouths, et on aimerait bien qu'ils nous racontent des histoires, parce que nous, on part comme des chevaux au galop à se raconter des histoires. On voudrait bien imaginer des choses. Et d'ailleurs, c'est ça le cinéma. Comment on se projette dans un lieu comme ça? Et lui, qui est un type super... objectif comme ça, et qui retient constamment, qui dit ça, on ne sait pas, on ne peut pas faire telle ou telle hypothèse, etc., etc. Et ça, c'est assez incroyable. Et après, si vous allez visiter la grotte de Bernifal, qui est une expérience, si vous voulez, je vous montre un extrait de visite de la grotte de Bernifal. C'est magnifique. C'est de la poésie. La vidéo s'appelle « Les trous qui fument ». Donc, ça commence très bien. Et là, ce qui se passe, c'est de la magie, quoi. C'est-à-dire... on assiste à une visite où il raconte comment l'abbé Breuil est descendu par un trou, et il vous décrit avec sa torche et il vous montre l'abbé Breuil qui est ici devant vous. Donc vous voyez, c'est l'enjeu ici, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un milieu où, puisqu'il y a peu de choses, puisqu'il y a des éléments, on parle d'ADN, on parle de dents, on parle d'éclats de silex. Alors, ce qui nous reste, c'est notre imaginaire. Et cet imaginaire, il y a ceux qui veulent qui se lâchent et ceux qui le retiennent. Et moi, je suis au milieu. Et je prends tout ça comme un panorama avec lequel il y a moyen de produire des choses. Et je vois tout le monde à peu près sur... ce qui serait formidable, c'est d'avoir un regard du dessus comme ça, comme une cartographie de ce panorama. Et de se dire, c'est ça la préhistoire, c'est le regard de gens qui peuvent être du plus farfelu au plus scientifique. Mais il me semble justement que dans ce film qu'on va voir tout à l'heure, on est un peu aux antipodes de ça. C'est-à-dire, c'est un film où tu as voulu faire quelque chose de presque abstrait, très retenu en tout cas, hein, sur la transmission, de montrer ce que c'est que la technique, ce que c'est que l'apprentissage, l'échange, le geste technique. Et puis, donc, à travers cette transmission de l'adulte au jeune, c'est vraiment la culture qui se joue. C'est vraiment la civilisation qui a lieu. En fait, on peut peut-être le mettre en se parlant. Ça dure 13 minutes, alors on ne va pas tout regarder. C'est un peu long, 13 minutes. Vous êtes prêt à voir le film, peut-être? Ça peut être 13 minutes, c'est long. Hein. Mais c'est super, mais 13 minutes. Mais... En tout cas, non, on peut le regarder en. Mais c'est donc, pour vous donner, on est reparti sur le même principe de prise de vue, mais de façon filmique. Ce que vous avez vu en photographie, donc, c'est des silhouettes. La question que je te posais, c'est qu'est-ce que ça ajoute à la. Pourquoi tu as voulu faire, à part les circonstances, est-ce que c'est quelque chose qui apporte en plus? Alors là, on est dans... Donc le contexte, c'est un film qu'on a fait l'année dernière avec un acteur de Périgueux qui travaille dans le mime, qui fait partie du Festival du Mime. Donc, puisque la résidence, elle a été faite aussi en partenariat avec le Festival du Mime. Et donc, cet acteur... joue et grimé en, on pourrait dire, un homme, un homo sapiens,
Donc il est costumé, on peut dire, avec des vêtements qui sont aussi des vêtements des reconstitutions du PIP. Il est maquillé, il est coiffé, il est tressé même. Et il reçoit un temps d'éducation, un cours, un temps de transmission par un spécialiste de la taille qui est Serge Maury. Donc c'est, pour moi, c'était deux choses. D'une part, c'était d'éprouver ma façon de photographier en l'emmenant dans un lieu de reconstitution qui est ici en sous-sol, qui est cette salle où on fait des fouilles, qui est une salle où il y a des parois qui ont été reconstituées. Donc tout est reconstitution là. Serge, c'est aussi à lui-même, dans ce moment-là, Serge aussi pratique la reconstitution puisqu'il travaille en essayant de retrouver les gestes, donc en interprétant les gestes, en cherchant les gestes, en apprenant les gestes. Et là où on crée un anachronisme, c'est, et comme dans mes photographies, il y a anachronisme puisqu'on met en scène des silhouettes d'hommes de la préhistoire dans des lieux qui sont plutôt du 19e et du 20e siècle. Et là, on voit Serge qui, habillé comme aujourd'hui, montre à un jeune homme la taille d'une pierre. Donc, c'est peut-être on le regarde, mais c'est 13 minutes. Hein, et Serge parle beaucoup. Je veux vous dire que... Non, vous n'allez pas. Mais c'est important. Mais je veux juste le remettre dans le contexte aussi. On a fait ce film à un moment où on pouvait plus se toucher, plus se voir. Et où nos gamins sont allés à l'école avec des masques jusqu'à la semaine dernière, et on s'est dit mais comment on transmet des comment on peut transmettre, comment on apprend, et là Serge il est questionné là-dessus, c'est quoi le moment où on peut transmettre et d'où on part, et c'est toutes ces questions-là qui sont posées dans ce moment-là. Mais après, évidemment, ce que vous voyez aussi, c'est un tableau, c'est une image. Vraiment la matrice de la transmission, c'est comment, avec le plus simple geste, hein, celui de tailler un outil, on peut enseigner, on peut transmettre. C'est le dernier. C'est comme un énervement en plus. Hein. Quand il n'arrive pas, l'autre il se fâche. Serge parle pas pendant. Il n'y a pas de dialogue entre lui et le garçon. Ouais. Donc c'est aussi filmé sur le principe de la silhouette avec l'arrière-plan qui ressemble à l'intérieur d'une grotte. Et puis la structure qui met dans l'obscurité est positionnée sur un lieu. Le silex est une roche particulière. Comme toutes les roches siliceuses, elle se fractionne par choc. Par pression, mais elle ne se fractionne pas n'importe comment. Elle se fractionne selon des règles de la physique, qu'on appelle de la mécanique des roches. C'est-à-dire lorsque, par exemple, on choque un bloc, on a la formation de ce qu'on appelle un conchoïde, c'est-à-dire un cône qui se forme à l'intérieur de la matière et dont l'angle de ce cône est toujours le même, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, en Asie, etc. Les roches siliceuses répondent à une loi de la physique et de la mécanique des roches. Et les hommes ont eu besoin, au cours du temps, de comprendre comment ça fonctionnait.
j'ose avancer cela, pour les groupes près de la nature, aujourd'hui on le constate encore pour les derniers, ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, ou que ce soit les roches, ont un esprit. Et ils ont commencé à dialoguer avec la pierre, à essayer de la comprendre. Et ils ont vite compris qu'elle avait un langage, d'une certaine façon, qu'elle obéissait à des règles qui lui étaient propres. D'où cet échange entre l'homme et la pierre, qui ont permis de comprendre qu'il fallait un angle inférieur à 90 degrés pour pouvoir débiter sur une surface, et qu'il fallait ensuite inventer aussi des gestes techniques et des outils pour le travailler, qui permettent d'arriver à un résultat que l'on attendait de cette pierre. Donc il fallait à la fois développer une méthode, c'est-à-dire de savoir agencer les coups qu'on allait donner à la pierre pour lui donner une forme qui permette ensuite d'en extraire la forme que l'on veut. Donc c'est tout un travail de compréhension, et ça veut dire qu'à partir même des hommes de Néandertal, quand ils se taillaient selon la méthode de Levallois, ils voulaient obtenir par exemple un éclat qui avait une forme particulière, toutes les étapes étaient déjà dans la tête, parce qu'ils connaissaient les règles, le langage de la pierre, et on appliquait un certain nombre de démarches et de gestes, qu'on appelle nous les méthodes, qui permettaient d'arriver au but. Il va falloir que les plus anciens qui ont déjà hérité, qui ont déjà eux expérimenté ces techniques et ces méthodes, puissent former les jeunes pour être le plus efficace possible et répondre aux besoins du groupe. Les enfants n'étaient pas, bien sûr, amenés à faire du débitage d'outils. Mais par contre, ils observaient les adultes et ils essayaient d'imiter. Et ça, c'est le premier temps de l'apprentissage, qui est un apprentissage psychomoteur, d'une certaine manière. C'est-à-dire apprendre à se servir d'un objet tiers, d'un caillou, par exemple, pour taper sur un autre caillou, mais pas taper à côté. Taper au bon endroit, etc. Ça, c'est un premier temps de l'apprentissage. Ces enfants, bien sûr, ne comprennent pas. Ils n'ont pas intégré ce que nous, on appelle la chaîne opératoire, c'est-à-dire d'où ça part et vers où ça va. Parce qu'ils n'ont pas l'intention d'un objet particulier. Simplement, ils imitent. Ils imitent un geste. Le deuxième temps, c'est effectivement de rentrer et de comprendre la méthode. Et ça demande une préparation spécifique du bloc, avec des plans de frappe. Il faut un angle, qui est un angle qui est de 70 degrés, pour pouvoir débiter, ou 70, entre 70 et 80, ça dépend bon, des cas, et des gestes après que l'on fait, et des techniques. Si c'est à la pierre, si c'est au percuteur tendre qui peut être des bois de cervidés, on voit bien que ce qu'on appelle technique, c'est ce qu'on utilise effectivement comme outil.
la pierre, le bois de cervidé, l'os, etc., qui bien sûr demandent une démarche particulière à chaque matière. On ne taille pas avec une pierre comme on taille avec un bois de cervidé. Parce que ça n'a pas la même forme d'abord, donc on n'a pas tout à fait le même geste. Et puis également, la préparation du bord de la pierre n'est pas tout à fait le même. Quand on revient à la méthode, c'est-à-dire pour, à partir d'un bloc de silex, sortir comme ils l'ont fait 5, 10, 15 lames, voire 20 lames, voire plus, ça demande une gestion du volume de la pièce, une attention très particulière aux préparations des impacts, parce qu'il faut être dans des lignes de force, c'est complexe, c'est très complexe en fait. Et ça, on ne peut pas l'inventer comme ça de prime abord. Soit on nous le transmet, soit on a 50 vies qui nous permettent d'expérimenter au fur et à mesure et de s'instruire. Donc la transmission est majeure pour les groupes du paléolithique, paléolithique supérieur et moyen même déjà, et primordiale pour que la génération qui est en vie, surtout qui vivait un peu moins vieux que nous, puisse être efficace et répondre aux besoins du groupe. L'apprentissage est quelque chose de nécessaire, et plus que de nécessaire, je pense, d'indispensable. Ceux qui étaient les plus âgés, qui avaient reçu leur apprentissage il y a longtemps, qui avaient à partir de cet apprentissage fait évoluer même leur propre savoir-faire et leur propre technique, et bien à leur tour, ils transmettaient à des jeunes qui arrivaient dans la vie, et il leur montrait les rudiments de ce travail-là, en leur expliquant, et je pense d'ailleurs, en tant qu'archéotechnologue, je pense que le langage devait être nécessaire pour cet apprentissage-là. Quand on pose l'hypothèse de l'apprentissage, on imagine une relation entre deux personnes. Parce que comment le reproduire nous-mêmes si on ne l'imagine pas ? On a pu retrouver dans les sites archéologiques des traces de cet apprentissage, de ce rapport entre un expert, un maître tailleur, et un apprenti. Tout simplement parce qu'au milieu du remontage des lames de ce nucléus, qui a été trouvé dans une fouille, eh bien on a vu qu'il y avait des imperfections, des ratés, au milieu d'un débitage qui était très expert, quelqu'un qui maîtrisait très bien. Et on ne comprenait pas trop.
Mais comme il y a eu plusieurs répétitions, avec des reprises, avec des remises en forme du nucléus, quand bien sûr il y avait un accident un peu trop impactant, qui impactait un peu la suite du travail, eh bien, à partir de ce moment-là, on a pensé qu'on avait vraiment affaire à une relation à travers cet objet, à travers ce nucléus, entre un maître tailleur et un apprenti. Quelqu'un qui apprenait, qui s'essayait au geste, mais qui n'était pas encore assez expert pour pouvoir assurer l'enlèvement d'une lame régulière et bienvenue. Donc en fait, c'était long, mais c'est en fait ce qui le point de départ de cette vidéo. D'abord, cette vidéo, elle est plutôt faite pour être montrée au sein d'une exposition, dans le continuum des fautes de photographie, etc., plus comme un tableau. Mais ce qui me plaisait dans ça, c'est vraiment le point de départ, c'était une discussion avec Serge, qui a déjà ça fait 3-4 ans, où il y avait le moment où Serge m'avait raconté cette histoire c'est ce que tu racontes à la fin, de quand vous avez, c'est sur quel site? Voilà, un site sur lequel ils avaient trouvé, reconstitué en fait avec des éclats de taille, reconstitué un nucléus, et donc de trouver dans ces éclats, des éclats qui étaient des éclats faits proprement, entre guillemets, avec une certaine technicité, et d'autres éclats qui étaient des éclats dus à des chocs, qui étaient des chocs plus des chocs de quelqu'un qui avait un geste, qui était encore un geste en apprentissage, en devenir. Et ce qui m'avait plu là-dedans, c'est qu'en partant d'éclats, on racontait quelque chose on faisait une image en fait. C'est-à-dire que l'image, c'est l'image d'un apprenti et d'un expert, ce que tu dis toi dans la vidéo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le langage qu'on utilise, ce n'est pas seulement des images qu'on voit, c'est le langage. C'est-à-dire, on utilise les langages de notre époque. On va parler d'un apprenti et on va parler d'un expert ou d'un maître tailleur, ce qui est aussi du vocabulaire qui correspond à notre époque, à nous. Et donc tout ça, ça m'a intéressé parce que ça faisait des images. Et c'est pour ça que je me suis dit, reconstituons cette image, ce que m'a raconté Serge, reconstituons-la comme on fait, comme ces images que j'ai fait dans le projet, mais en vidéo. Voilà. Et moi, je trouve que j'imagine que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. C'est plus qu'une image, c'est un récit, en fait. Hein. Ça raconte une histoire, cette histoire de la fabrication de l'objet, cette histoire de la transmission, mais d'une façon qui est à la fois très concrète, hein, puisqu'on voit les personnages, puisqu'on voit les gestes, puisqu'on voit l'objet qui est en train d'être fabriqué, mais aussi très abstraite, justement, à travers ces silhouettes, à travers cette image qui reste très, très à distance de tout ça. Et je trouve que, alors là, on n'est plus du tout dans le fantasme, dans la représentation de figuration imaginaire, mais on est vraiment dans le récit très, très concret, ou en tout cas l'hypothèse de quelque chose qui a pu avoir lieu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire il y a vraiment l'idée de... C'est pour ça ce titre,
les audacieuses reconstitutions d'hommes fossiles, c'est toujours ça, c'est toujours audacieux. Le moment où on fait une image, le moment où l'atelier d'Aînès... moi, je suis par exemple, les femmes qu'on voit au musée des Confluences, par exemple, où on voit notamment une femme de Néandertal et une femme plutôt homo sapiens, entre guillemets, les looks qu'elle ajoute, notamment les tatouages, notamment le travail de tresse, même de dreadlocks, les tissages, etc., font qu'il y a un moment, c'est des interprétations, et que ces interprétations, évidemment, sont pas très loin d'une mode actuelle, une mode vestimentaire, de la culture des punks à chiens, je veux dire, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des projections aussi par rapport à notre environnement familier et à une part de fantasme. Et même dans un atelier qui est un atelier, disons, qui aurait une volonté de faire scientifique ou de travailler en appui avec le scientifique, comme là où il y a un scientifique dans la pièce et un acteur, il y a toujours cette part d'imaginaire qui nous échappe. Et c'est comme ça. Oui, oui, pardon Charles, pardon Claudine d'intervenir. Je voulais réagir par rapport à ce film parce qu'il y a d'abord, d'un point de vue artistique, l'évidence, c'est ce qu'on voit en premier, c'est que cet expert, c'est un homme d'aujourd'hui qui se présente en tant qu'expert face à un homme d'autrefois. Et c'est là où il y a un acte artistique, c'est-à-dire que sur un film purement documentaire ou scientifique, on aurait représenté l'homme d'autrefois en train de faire ce geste de taille et ça aurait été le document scientifique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, l'artiste, le photographe, le vidéaste Charles, déplace les codes et dans son rôle d'artiste où il inverse cette histoire-là, c'est-à-dire que l'expert, c'est l'homme d'aujourd'hui qui montre à l'homme d'autrefois, alors que ça devrait être l'inverse. Et c'est une évidence première sur ce film, qui est à la fois, qui est en même temps assez drôle, finalement, et qui déplace et qui prouve dans ce travail-là qu'il y a un geste artistique lié à la représentation, ce dont on parle depuis le début de cette conférence. Parce que l'homme d'autrefois, il est imaginaire. C'est-à-dire qu'il existe dans notre imaginaire, donc il est, et on sait que c'est un acteur, je veux dire... cet homme-là, c'est une projection. Donc, il n'est pas moins anachronique. Enfin, il n'est pas si anachronique que ça, en fait. C'est juste de figurer cette projection, quoi. C'est tout. Ça montre bien aussi que ce qui est mis en scène, c'est un savoir d'aujourd'hui et un savoir hypothétique, mais qui se met en scène à travers cette rencontre complètement impossible du présent et du passé. Et c'est une très belle idée. D'ailleurs, on voit les lunettes, on voit le profil. Et c'est très touchant de voir cette rencontre entre le savant d'aujourd'hui et le jeune ignorant du passé. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Merci. Oui, j'aurais une question. Enfin, ça part plus d'une remarque. Moi, je travaille sur les représentations de la préhistoire en littérature au 19e. Et ce qui me frappe, c'est la dimension artificielle et un peu fausse de la représentation de la préhistoire chez Rougniéné, par exemple. Et là, je trouve qu'avec la stylisation, vous en prenez un contre-pied. Vous avez parlé, Claudine Cohen, de contre-pied. C'est-à-dire qu'en affichant la reconstitution, vous parvenez à échapper à tout le côté un peu folklorique et du coup un peu faux de cette représentation du 19e. Et je trouvais ça particulièrement intéressant. Oui, alors la seule chose, c'est que les éléments, si pour une grande partie viennent du 19e ou du début 20e, c'est vrai que dans les points de référence, il y a le travail de Dagen avec Hélène Lafont-Couturier sur Vénus et Caïn. Ça n'empêche, ouais, tu peux en montrer, mais... ça n'empêche qu'il y a aussi une énorme part de représentation qui date d'il y a 3 ans ou 4 ans, qu'on trouve dans les manuels pour les enfants,
sans que ce soit forcément justement de la bande dessinée, ou ça peut être même des livres d'histoire sérieux pour un public d'enfants ou d'adolescents. Oui, j'ai l'impression que vraiment vous, enfin, vous essayez de je ne sais pas comment le formuler, mais de gommer une grande partie pour revenir à quelque chose d'essentiel. Je pense que je ne suis pas très claire, parce que du coup, je suis surprise par votre travail. Mais pour moi, c'était amusant que vous parliez de Cap Blanc, parce que quand j'ai vu vos images, j'ai pensé à Cap Blanc, me disant que c'était vous faites exactement l'inverse. Je dirais presque que c'est de l'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une... Comment dire, une dimension d'abstraction dans son travail, et même dans ce film. Alors, j'essaye de répondre à la question mais en fait, c'est pas de se mettre au-dessus, en fait. C'est pas, par exemple, c'est pas de dire que tout ça, c'est des conneries. Ou, vous voyez, je veux dire, parce qu'il y a eu aussi ça, je pense, le moment où on a dit que des représentations du 19e siècle, c'était des conneries. Alors qu'en fait, il y a parfois des moments où ils sont bien tombés, ou des intuitions. En fait, ça pose aussi la question du scientifique. L'imaginaire et l'intuition chez le scientifique. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux causer? T'as causé 12 minutes. Non, je voulais juste faire une petite intervention pour dire que, effectivement, comme le rappelait Claudine tout à fait au début, le contexte dans lequel ont été fabriquées les images est extrêmement important. Par exemple, au début du siècle dernier, on a eu des représentations de l'homme préhistorique qui étaient beaucoup plus justes que beaucoup d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on pensait que les Inuits, par exemple, c'était des primitifs. Donc, on a habillé des hommes préhistoriques comme des Esquimaux. Voilà. Et ça, c'était il y a un siècle. Il y a eu quelques représentations comme ça, pas toutes, bien évidemment, mais qui étaient assez justes, en fait, parce qu'elles rejoignaient vraisemblablement ce qui est le plus probable en termes d'équipement de protection contre le grand froid. Et qu'on ne peut pas se promener dans la tenue que vous voyez affichée là quand il fait moins 40, sinon ben, vous parlez pendant 10 minutes et après vous n'existez plus. Voilà. Donc, mais tout simplement parce qu'à l'époque, pourquoi ? C'était l'époque coloniale. On pensait que les groupes qu'on rencontrait comme ça étaient des primitifs et que donc, quand on représentait les hommes de la préhistoire qui étaient des primitifs, ils étaient semblables à cela. Voilà. Et après, les choses ont évolué dans l'autre sens également. Mais aussi, on a continué à avoir des images beaucoup plus, comment dire, qui ne tiennent pas compte. Alors, c'est là que je voulais en venir. C'est la vie quotidienne, ce qu'on a montré dans le film, les connaissances techniques, etc., nous montrent qu'ils avaient des équipements extrêmement performants, par exemple, pour répondre à leurs besoins du quotidien et en particulier de leur habillement. Voilà, l'aiguille à châle date de 25 000 ans. Voilà, donc. Les scientifiques ou les gens qui faisaient ces représentations se saisissaient aussi de ce qu'ils avaient à portée de main. Donc, les images bibliques, prendre Adam et Ève comme référence, c'était pas complètement con. Et pas plus que, par exemple, pour reparler de Wildermann, ces mascarades qui sont des représentations de l'homme sauvage, donc elles partent de représentations du Moyen-Âge. Et ensuite, effectivement, quand on pense à l'homme de la préhistoire, alors le seul exemple, disons, populaire de la représentation d'un homme, entre guillemets, sauvage, c'est l'homme sauvage qu'on va trouver chez Bruegel dans toute cette production. Donc, évidemment, la massue de l'homme sauvage, c'est la massue de l'homme préhistorique. Et puis après, après c'est parti. Il y a cet imaginaire. Mais comment dire? C'est drôle parce que en ce moment, la question de l'art. Moi, je suis pas historien, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue. Je suis juste photographe. Mais je me dis, de notre imaginaire de maintenant là, l'histoire que nous on connaît. Dire pourquoi on connaît Jeanne d'Arc? Normalement, on devrait pas la connaître. Je veux dire. Au début du 18e siècle, personne ne savait qui c'était Jeanne d'Arc. Puis maintenant, tout le monde connaît Jeanne d'Arc et tout le monde imagine ce qu'est Jeanne d'Arc. Ben,
c'est parce qu'il y a un moment où il y a eu Viollet-le-Duc, il y a eu de l'imaginaire, on s'est ressaisi du Moyen-Âge, on a nourri l'imaginaire, c'est comme si on avait fait remonter une mayonnaise, quoi. Et puis, excuse-moi, mais il y a eu un moment où on ne savait pas du tout ce que c'était que l'homme préhistorique. Ouais, ça date pas si longtemps. Hein. Non, bien sûr. 150 ans à peine. Mais donc, sur le 19e siècle, c'est tellement riche pour ça, parce que c'est à chaque fois que je travaille sur tous les projets sur lesquels je travaille, ça me ramène toujours au 19e siècle, qui est vraiment le siècle où on crée l'imaginaire de maintenant. C'est-à-dire, là, j'étais en Estonie il y a 5 jours. Les pays baltes, la Finlande aussi, ils se sont créés un imaginaire national, ce qu'on pourrait appeler le roman national, sur des mythes inventés, donc des mythes qui ont l'air d'être des vieux bazars qui datent du Moyen-Âge, mais qui sont des inventions du 19e siècle, le Kalevala, par exemple, qui sont des récits inventés vers 1860 pour créer... du lien entre une population paysanne qui, pour l'instant, n'est pas fédérée et ne se voit pas comme nation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait travailler une aristocratie, des musiciens, des auteurs, des peintres et des écrivains, évidemment, pour créer un imaginaire national autour de la pièce du Kalevala. Et ça, ça se retrouve dans le monde entier. C'est la culture écossaise, la réinvention des bardes, des druides... l'invention du kilt en Écosse, la cornemuse, c'est fascinant parce que tout d'un coup, on voit que ce qui nous sert de notre imaginaire au quotidien, c'est quelque chose qui a été inventé au 19e siècle et on puise toujours dans cette caisse à outils pour pouvoir se projeter dans le monde. Et d'ailleurs, dans notre imaginaire, il y a une part de l'histoire qu'on ne connaît pas du tout parce que simplement, il n'y a pas d'imaginaire autour. S'il n'y avait pas dans l'histoire les mignons, s'il n'y avait pas la guillotine avec Robespierre, Louis XVI, s'il n'y avait pas Napoléon à Waterloo, s'il n'y avait pas tout ça, on aurait déjà oublié ce que c'est. D'ailleurs, on l'a vu sur la guerre de 1871, c'est une guerre sans imaginaire. Et l'imaginaire, il est en train de revenir maintenant parce qu'on commence à se poser la question, c'était quoi cette guerre de 1871 ? Donc, c'est ça qui me fascine, c'est comment on nous a appris une histoire, un roman national même, et puis la préhistoire n'y échappe visiblement pas. C'est-à-dire, alors là c'est Claudine qui va parler. Oui, est-ce que je peux faire une petite incise là-dedans, parce que bon, on a construit des choses, mais on ne suit pas tout à fait le plan, mais je crois que c'est bien. J'avais prévu justement de vous parler. Alors c'est un peu plus loin que tout ça. Ça, c'est des images que vous connaissez sans doute, mais d'une série. Moi, j'ai souvent travaillé en Russie. Malheureusement, ça va être de moins en moins possible aujourd'hui, même complètement impossible. Et la construction de ce que tu disais précisément, la construction d'un imaginaire national à travers la préhistoire, c'est quelque chose qu'on connaît mal ici, mais qui a vraiment une dimension très, très forte. Toute une série de figurations qu'on trouve en Russie. Et voilà, par exemple, c'est le musée de l'histoire russe à Moscou, hein, où on trouve donc dans la première salle une fresque du peintre, alors c'était un peintre slavophile, hein, c'est ceux qui tenaient à la nationalité russe et à l'identité russe par différence avec... et ça n'a pas changé aujourd'hui, hein, par différence avec l'Occident, et qui donc cultivait à travers ces figures de la préhistoire des thèmes propres à leur folklore ou des thèmes propres à leur histoire. Et voilà donc cette fresque murale dont je vous donne quelques détails. Alors il y a évidemment, et ça c'est une image qui revient, si je vous avais montré tout ce que je voulais vous montrer avant, vous verriez que la chasse aux mammouths, c'est un des invariants. Je crois que toi aussi, tu as même figuré une chasse au mammouth dans tes photos. Donc voilà la chasse au mammouth avec ses visages absolument écarquillés. Alors là, on a des visages, on n'a pas que des silhouettes, hein, on a aussi des expressions de visages. Ça, c'est un festin, et la figure du festin aussi est très présente dans toute l'iconographie de la préhistoire. Si on regarde les images de figuier, par exemple, donc le mammouth est mort et puis on se réjouit de le consommer.
Et puis là, c'est la figure du héros. Alors, ce n'est pas Poutine, parce que Poutine mesure 1m69. Mais enfin, vous voyez que Poutine aime bien se faire photographier torse nu, etc. Et voilà, ça remonte à ces figures des bagatrils, ce qu'on appelle les bagatrils, hein, les grands chepreux, les chevaliers, qui est ici incarné par cet homme qui est deux fois plus grand que tout le monde, hein, et qui figure ce personnage fort, héroïque, qui va à la fois sauver son peuple, qui va le guider. Et vous voyez comment dans cette iconographie de la préhistoire russe s'incarne donc un certain nombre de figures. Pardon ? C'est la fin du 19... Oui, alors il y a toute une traversée du temps. Dans... Voilà, mais il y a aussi les autres périodes sont des périodes plus anciennes, évidemment. Donc il y a une traversée du temps à travers cette fresque qui va jusqu'au néolithique. Alors, je vais vous montrer un autre illustrateur russe, puisqu'on est là, qui, lui, au contraire, alors qui était un archéologue, qui a commencé comme archéologue, mais qui était aussi un peintre, et qui a figuré des tableaux de la préhistoire, alors d'une préhistoire très, très idéalisée, très fantasmée, d'une préhistoire idyllique, même s'il a fouillé, alors lui il a fouillé les Kourganes, il a fouillé les sites néolithiques russes, mais il s'est intéressé aussi, il a fantasmé cette douceur de la vie préhistorique, et il se trouve que c'est lui qui a inventé et mis en scène, en ballet et en images, le Sacre du printemps de Stravinsky. Alors, vous savez que le Sacre du printemps de Stravinsky, qui a été donc joué en France en 1913, est avant tout une scène de la vie primitive. Et pour ce peintre, donc, qui s'appelait Rerich, c'est une expression de la Russie profonde, Nikolaï Rerich. Et voilà, par exemple, un de ses tableaux de jeunesse, hein, c'est les anciens, l'assemblée des anciens, ce sont aussi des silhouettes, hein, d'une certaine façon, de ces sages qui sont là. Et on va retrouver ce tableau, d'ailleurs, dans la mise en scène du Sacre du printemps. Voilà une autre image avec le... Alors, au lieu d'avoir la lutte avec l'ours, hein, qui est un tableau iconique aussi des tableaux de préhistoire, on a au contraire un homme qui joue de la flûte et qui charme les ours, qui les apprivoise. Hein. Voilà encore une autre scène du même genre. Et puis voilà les décors du Sacre du printemps, avec de nouveau l'Assemblée des sages, avec cette scène de chasse qu'on retrouve d'ailleurs, qui est une image aussi très traditionnelle de la préhistoire, mais aussi avec toute une inspiration folklorique. Et tu parlais tout à l'heure du roman national et de l'inspiration nationale. Et c'est en étudiant des collections d'anciens costumes slaves et d'anciennes traditions slaves que toute cette mise en scène a été mise au point, hein, à travers donc toutes ces danseuses costumées avec des... Alors, il y a une identité, évidemment, entre la préhistoire et le folklore et la paysannerie, hein, mais c'est ça qui est mis ici en scène. Et on n'est pas très loin, je trouve, des photos de Charles avec ses personnages costumés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Les vieux sages. Et ça, c'est censé incarner... une préhistoire très lointaine. Voilà. Une espèce de convergence entre le roman national et l'imaginaire de la préhistoire. Voilà. Donc, c'est les danseuses du Sacre du printemps. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la manière dont a été exploité ce roman national dans la Russie du tournant du XXe siècle. Et je vais vous montrer alors une autre série, alors là, qui est aussi, à mon avis, assez intéressante, alors qui est d'un autre espace de pensée, d'un autre contexte, et qui se situe donc en Angleterre, à la fin du XIXe siècle aussi, dans la mouvance de John Lubbock, qui était un anthropologue, c'est lui qui a inventé les notions de néolithique et de paléolithique, hein. Et John Lubbock s'était adjoint les services d'un illustrateur qui
J'ai oublié son nom. Pardon ? Griset, voilà. Ernest Griset, excusez-moi. Ernest Griset, donc, qui était né en France et qui a émigré en Angleterre très tôt, en 1848. Il était né en 43, il est parti en 48. Et il a donc travaillé, il a fait toute sa carrière en Angleterre. Et il a donc figuré sur le conseil, à la demande de Lubbock, un certain nombre d'images. Alors lui, il était plutôt un peintre animalier, mais qui, à l'imitation de Granville, un petit peu, avec ses caricatures animalières de personnages. Et là, il fait des personnages qui sont vraiment presque des silhouettes, hein, avec leurs cheveux ébouriffés et leurs attitudes un peu expressives, expressionnistes. Hein. Et on va retrouver aussi ces silhouettes parées de costumes de bêtes, hein, avec la bête d'ailleurs qui dort, enfin morte, mais qui est au-dessus. Donc on est dans l'espace de l'animalité. Et ici aussi avec cette chasse au mammouth. Alors je crois que tu as fait une espèce de remake de cette chasse au mammouth. Tu t'en es inspiré. Tu vas la montrer tout à l'heure. Attends, on voit la série et puis tu montreras tes photos. Et aussi, c'est très intéressant de voir ces personnages extrêmement nerveux, extrêmement actifs. Ça représente donc une chasse collective, paléolithique, et qui sont aussi, eux, réduits à des ombres, à des silhouettes qui donnent une espèce de dynamique extraordinaire à ce tableau. Et on comprend que ça a pu inspirer ton travail. De même, le thème de la chasse à l'ours, qui est aussi un des thèmes récurrents, en tout cas de l'ours qui attaque un homme, qui est un des thèmes récurrents de l'iconographie de la préhistoire, qui se trouve ici aussi illustré dans cette scène extrêmement forte, violente et dynamique. Et puis enfin, c'est à l'intérieur d'un monument funéraire mégalithique. Hein, ça met en scène donc une sépulture avec ces morts, ces personnages morts qui sont ficelés, hein, et qui sont déposés là. C'est une sorte de mise en scène d'une sépulture réelle. Voilà. Est-ce que tu veux montrer tes chasses au mammouth ? Alors, ouais, vite fait, mais sur... C'est censé évidemment illustrer l'homme primitif, hein, dans toute sa... Ouais, alors, en tout cas, globalement, là... Attends, il faut juste que j'arrive à passer là. Voilà. Voilà, ben ça, c'est tout. C'est plus statique, évidemment. C'est encore fait au musée Guimet, etc. Mais moi, ce qui me questionne, disons, ce qui pourrait aussi, pour aller plus près d'une conclusion, c'est la question, puisque là, on regarde des représentations qui sont des représentations du 19e, du début 20e, etc., de savoir quelles sont les représentations, en tout cas de se positionner sur quelles sont les représentations actuelles. C'est-à-dire que même en ayant travaillé là-dessus en 2018, 2017, et en regardant des films, etc., on voit que l'homme de la préhistoire, il n'est plus en conflit avec la nature, qu'il est plutôt en train de vivre en harmonie avec la nature. On voit qu'on se pose la question de la place de la femme dans la préhistoire. Ça, c'est le travail de Claudine. On voit aussi la question de la rencontre de Néandertal avec Sapiens. Donc, c'est aussi des formes de représentation. Mais aussi, par exemple, dans les livres sur la préhistoire, on voit presque pas, même maintenant, de gens de couleur. C'est-à-dire que l'Homo sapiens, il est encore souvent un peu blanc. Et en tout cas, il y a quelque chose. On voit quelles sont les évolutions, mais on voit aussi dans quel... Là, en 2022, où est-ce qu'on se positionne maintenant? Et c'est les questions, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est-à-dire, si je devais refaire ce travail-là dans 10 ans, en regardant rétrospectivement quelles ont été les représentations actuelles, à mon avis, il y aurait encore moyen de soulever des nouvelles représentations et des nouveaux questionnements. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le double enjeu, enfin en tout cas la double postulation d'un côté vers un renouvellement des thèmes et des questions de la préhistoire. C'est vrai que
Il y a un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui sont extrêmement prégnants, qui ne l'étaient pas, en tout cas en France, il y a 10 ans ou 20 ans. La question de la place de la femme est devenue aujourd'hui presque une dimension obligatoire qui anime beaucoup les représentations. La question aussi de la couleur de la peau, qui est quand même présente, par exemple, dans la reconstitution des hommes de Néandertal, qui aujourd'hui ne sont plus du tout poilus et noirs, comme ils étaient il n'y a pas si longtemps, mais sont devenus, au contraire, de peau très claire. Hein. Et il y a cette idée de la rencontre avec les sapiens, au contraire, à la peau noire, etc. Donc il y a effectivement un renouvellement, mais il y a aussi à l'œuvre des sortes de poursives qui, non seulement sont héritées des périodes du 19e siècle dont on parle, mais peuvent être aussi héritées de constructions plus récentes. Et il y a aussi dans la volonté de s'ouvrir à une dimension nouvelle, il y a aussi le danger de récupérer un certain nombre de lieux communs non critiqués, inspirés d'une époque ou d'une autre. Tu voulais dire quelque chose sur cette image ? Non, pas spécifiquement, mais là, par exemple, on y voit encore la représentation, là, plus en avant, de la femme de Néandertal. On la voit plus là, en tout cas, elle prend une place dans cette représentation-là qui est, disons, supérieure, elle n'est pas assise par terre, etc. Donc, ça aussi, ça part d'évolution et de... Comme par exemple les représentations où on va voir l'homme de Néandertal rencontrant la femme Homo sapiens. Là, on va voir des situations qui sont des situations plus à égalité homme-femme. C'est-à-dire qu'on voit que la volonté des réalisateurs ou des dessinateurs de mettre l'homme et la femme à pied d'égalité ou de même mettre les couleurs à pied d'égalité, comme ça c'était pas le cas il y a encore pas si longtemps. Oui. Vous avez fait un exposé il n'y a pas si longtemps sur l'image de l'homme de Néandertal et vous avez dû voir à quel point cette image du Néandertalien aujourd'hui s'est transformée. Je parlais de yeux clairs, de cheveux clairs et de peau. Voilà le travail. Donc on parlait du travail d'Elisabeth Dénès hein, qui renouvelle en quelque sorte complètement cette vision, non seulement à travers les couleurs, mais aussi à travers l'expression du visage. Et on parlait tout à l'heure du visage, mais en donnant un visage, hein, vous avez vu les regards furibonds, hébétés de ces hommes fossiles tels qu'on les reconstitue au 19e siècle, et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des tentatives pour leur redonner un visage et une expression très, très humaine, même s'il s'agit d'une autre espèce, et voilà. Un des derniers avatars de l'homme de Néandertal, vous voyez, bien habillé. Et d'ailleurs, déjà dans les années 40, on disait qu'un homme de Néandertal avec un chapeau bien rasé, bien habillé, passerait inaperçu dans le métro. Donc, voilà, avec son outil porté élégamment à la main. Et puis même la femme de Néandertal, hein, qui n'est plus une brute, mais au contraire une femme belle qui se regarde dans le miroir de l'eau hein, et dont la dignité est très suggestive. Donc il y a aussi un renouvellement, non, indépendamment des espèces qui sont ici. Alors je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais je voudrais vous montrer les deux dernières images, celle-ci. Qui est dû à Matterns, qui est un illustrateur américain. C'est une image des années 70-80, qui met en scène une troupe de Néandertaliens avec une femme qui a l'air d'être... Il y avait l'idée que les Néandertaliens vivaient sous le régime du matriarcat, hein, avec l'idée que cette femme, vers laquelle tous les regards convergent, je m'excuse, l'image est assez floue, cette femme domine en quelque sorte le groupe, ou en tout cas elle lui imprime sa volonté. Donc c'est une idée, l'idée du matriarcat qui a été très cultivée dans les années 70, que ce soit pour les idées, pour les sociétés donc néandertaliennes ou même pour les sociétés sapiens à leur début. Et puis c'est une idée sur laquelle on est beaucoup revenu et qui a été extrêmement critiquée, y compris
dans les mouvements féministes. Hein. On a vu que le matriarcat était plus un mythe qu'une réalité. Et alors, je vous donne le dernier avatar de cette affaire, hein, dans Lady Sapiens, hein, qui est paru donc à la télévision. On parlait des derniers films parus, où il semble qu'on retrouve un peu cette idéologie des années 70, hein, avec la femme puissante, musculeuse, au regard d'acier, qui domine ces sociétés du paléolithique. Donc vous voyez, on n'est pas complètement sorti ni des poncifs, ni des idées reçues, même si ces idées reçues elles-mêmes doivent être considérées comme ayant une histoire. Voilà. Vous avez peut-être des critiques ou des questions, des interrogations ? Vous avez longuement évoqué l'imaginaire et vous avez tenté de faire la démonstration que c'est un obstacle à la démarche scientifique. Un peu. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas des neurones qui fonctionnent sur l'imaginaire et des neurones qui fonctionnent sur la réalité. Tout ça s'est mêlé. Le croire et le savoir font partie de la pensée humaine. Et je pense que l'imaginaire, qui a montré sa puissance dans beaucoup de découvertes scientifiques, hein, comme dit Bachelard, la découverte scientifique, c'est la rupture épistémologique. On imagine quelque chose qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui. Alors je pense que l'imaginaire, il faut le laisser courir. Et à charge à la science, après, de prendre ce chemin-là et de nous prouver que c'était une erreur. On ne peut pas fermer l'imaginaire. Donc, tout ce qu'on a vu, je pense que ça fait partie de l'histoire de notre pensée. Et il ne faut pas discréditer, c'est ça ce que j'ai cru ressentir. Non, ah, c'est non, le contraire, en fait. On parle pas de non, non, en fait, on parle plutôt d'un patrimoine, là, d'un patrimoine de représentation. Qui fait partie de notre, ce que moi j'appelle notre caisse à outils, notre ce que vous avez en tête. On a les mêmes images en tête, même si on n'est pas complètement de la même génération. Non, au contraire, justement, je pense que les scientifiques ne peuvent pas fonctionner sans intuition. Et c'est inévitable. D'ailleurs, pour en avoir rencontré quelques-uns et aussi des gens qui font de la médiation, etc. On voit que c'est après des histoires de personnalité, d'individus, la manière dont quelqu'un vous introduit, la manière dont quelqu'un vous fait visiter une grotte, laisse libre cours ou pas à son imaginaire. Mais c'est passionnant de voir comment certains essayent de contrôler cet imaginaire, d'autres se lâchent complètement. Je ne vous ai pas montré les trous qui fument, mais c'est vraiment hyper drôle à regarder. Mais bizarrement, dans ces moments d'imaginaire, il y a des vérités qui passent et qui parfois on dit « Ah oui, c'est pas idiot ça ». Donc moi j'y crois à ça, c'est-à-dire même Serge, il y a des moments où dans cette vidéo, il y a un moment où il se laisse aller pour moi. C'est-à-dire qu'il laisse partir quelque chose qui est une image et ça me plaît. C'est-à-dire et justement, c'est pas de mettre dos à dos tout ce monde-là, c'est le contraire. C'est que je pense que c'est comme un panorama, c'est quelque chose de collectif. Il n'y a pas, quelqu'un qui aura le dernier mot sur tout ça. Toute cette pensée, c'est des circulations, c'est des va-et-vient. Donc, le patrimoine, le capital d'imagerie, que ce soit autour de Jeanne d'Arc ou autour de l'homme de la préhistoire, on y reviendra systématiquement. Et des fois, c'est ce que vous avez dit, on pourra repenser, réimaginer, sonder, tester, refiltrer pour se dire ça, c'est peut-être une bonne hypothèse. Quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, dans ce que vous dites et dans l'importance d'accorder une part à l'imagination dans les sciences. Et je crois justement que Bachelard, que vous avez cité, est quelqu'un qui avait au contraire un peu éliminé l'imagination de la science. Il avait deux œuvres. Il avait une œuvre nocturne où il parlait du feu, de l'eau, etc. Et puis il avait une œuvre épistémologique où il parlait de la fondation de la physique et il disait bien qu'il y avait une rupture entre les deux. Et que pour construire la science, il faut la raison et que la raison. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les disciplines en tout cas dont nous parlons, mais dans beaucoup de disciplines, il y a aujourd'hui
une conscience de l'importance de l'acte d'imaginer dans la construction même du savoir scientifique. Et bien sûr, dans les sciences dont nous nous occupons, cette part est très vaste. Alors, elle est très vaste parce que le matériel est très limité, parce que c'est une immense durée qu'il faut reconstituer, donc il faut reconstituer sur plusieurs dimensions, dans le temps, dans l'espace, etc. Mais et je crois qu'il y a donc une profusion, une richesse de l'imaginaire de la préhistoire. C'est ça qu'on a exploré aujourd'hui, c'est le sujet de notre causerie. Mais en même temps, il y a la nécessité, au cours de l'histoire, de revoir ces formations d'imaginaire, de revoir ces productions imaginaires, de les critiquer, de les dépasser, sachant très bien, comme l'a dit Charles, qu'il en restera toujours et qu'il y a toujours une part de construction imaginaire dans notre relation à la préhistoire. Ça, on ne peut pas la nier, et c'est aussi la richesse de ces productions. Voilà. Je pense qu'il y a une dimension critique. Que pouvons-nous savoir? C'est la question de Kant, hein, de la critique de ce qui est proposé, y compris les productions de l'imagination, qui sont si importantes dans notre perception de la préhistoire, parce que beaucoup de gens ne perçoivent pas la préhistoire en lisant des articles scientifiques, mais bien à travers toute cette production iconique, filmique, photographique, qu'il faut être capable aussi de critiquer. Il a montré beaucoup d'images, et puis je pense que les gens ne sont pas dupes de ce qu'on voit. Ils voient bien que ce n'est pas une réalité scientifique, mais c'est le travail de l'imaginaire. Donc, voyons pas cet objet-là comme, contre-productif pour la science. Moi, je crois que le travail de Charles Frégé, par exemple, est un travail très, très riche, justement, hein, parce qu'il donne beaucoup à... Il donne beaucoup à penser et à imaginer à partir de ces silhouettes, de ces formes, voilà, qui suggèrent sans imposer. Oui, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que dans le monde scientifique actuellement, on ne chasse plus l'imaginaire de notre travail parce qu'il est une source d'ouverture vers le monde des sciences, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, aller voir d'autres disciplines pour les questionner, laquelle discipline en questionne d'autres, c'est-à-dire on est dans une arborescence, ce qu'on appelle l'arborescence scientifique, qui nous permet de parcourir un monde. Bien sûr, la science, elle doit ensuite faire en sorte que ce qu'elle avance comme hypothèse, on ait des argumentaires et des éléments pour pouvoir construire une connaissance. Je ne dis même pas un savoir, parce que le savoir, pour moi, c'est un peu arrêté. On est un peu dans de la recherche. Moi, je ne suis pas un savant, je suis un chercheur. C'est-à-dire, on est toujours en mouvement. La recherche est toujours en mouvement parce qu'elle ne peut progresser que comme cela, en se remettant en question tous les jours, mais en se servant de tous les appuis, les hypothèses. C'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire, mais qu'on doit ensuite essayer d'étayer par tout un d'argumentaires interpluridisciplinaires pour avancer dans la connaissance. Et je dis souvent, moi, quand j'interviens dans une classe auprès d'enfants, si quand je vais partir, après mon intervention, vous vous posez 10 fois plus de questions que quand je suis arrivé, c'est que j'ai gagné parce que je vous ai ouvert des questionnements sur le monde. Parce que c'est complexe, le monde. Les hommes, c'est complexe, ils ne sont pas pareils. On parlait des habits, mais on est en Afrique ou on est au pôle Nord? On est où? C'est-à-dire on n'est pas pareil que quand on est. Et même les adaptations des hommes, leur couleur de peau, elle vient d'un milieu qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont défendus contre les rayons du soleil et qu'on a été obligé de faire de la mélanine pour avoir une peau qui se défende. Et on perd ce mélanine quand on vient dans des zones où le soleil est beaucoup moins présent, etc. etc. C'est-à-dire que vous pouvez passer toute votre vie à vous poser des questions et à vous ouvrir au monde. Notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de fermer beaucoup de... voilà. Au lieu d'ouvrir, eh bien, malheureusement, on ferme un peu trop. Mais je suis d'accord avec vous, il faut de l'imaginaire. Juste ajouter une petite chose. L'idée de l'ouverture est très importante, c'est-à-dire de savoir que dans les sciences,
une hypothèse et une incertitude n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une impulsion pour arriver à la réfuter, pour arriver à la critiquer éventuellement, ou à la valider si on trouve des éléments pour le faire. Et là, par exemple, l'expérimentation est une de ces méthodes. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou interroger ? Juste un truc, c'est, enfin, à mon sens, c'est cette imagerie dont on a parlé, celle qu'on voit, je ne parle pas de l'imagerie strictement artistique, mais par exemple, ces dessins, ces illustrations qu'on va voir dans des livres d'histoire ou dans des livres qui participent à l'éducation des enfants ou des collégiens, par exemple. Là, ce qui dépasse le rapport à la science, c'est qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut... à quoi elles servent ces images? C'est plutôt cette question-là aussi que je me pose. C'est-à-dire, au-delà de l'objet science, c'est si vous représentez maintenant dans un livre d'histoire et d'écologie, par exemple, une scène de cueillette ou une scène qui va vous montrer plutôt qu'une scène de chasse, mais plutôt une scène de vie avec la nature, ça veut dire que quelque part, déjà, cette préhistoire, elle est utilisée pour la vie de maintenant dans des fins qui sont des fins qui peuvent être aussi politiques ou dans des, peut-être même dans certains pays religieuses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut leur faire dire à ces images? Et ça, c'est une autre question. C'est pas que la science pour la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce moment où... Et la charge idéologique. Oui, c'est pas dénué d'idéologie, et même maintenant, enfin, je veux dire, pourquoi maintenant l'homme de la préhistoire, enfin, les hommes, serait plus écolo qu'il y a 30 ans, par exemple. Donc, c'est des vraies questions. Et ça, pour le coup, forcément qu'il y a une exploitation de ces images pour en faire de l'imagerie. Encore une question ? Okay. Merci alors. Merci beaucoup. Merci. Merci donc à Claudine Cohen et à Charles Frégé pour cette clôture de ce cycle sur les représentations. Merci, je voudrais associer à ce remerciement donc Pierre Rousseau et Yolande Mariolo de l'Agence culturelle départementale. Merci également à Catherine Roudy qui a suivi tout ce travail de résidence pour l'équipe du Pôle. Voilà, alors comme à chaque fois, je vous rappelle un certain nombre de dates, a fortiori à venir, a fortiori puisque notre programme trimestriel n'est pas encore sorti. Donc nous débuterons le mois d'avril dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le Centre d'éducation populaire du secteur de Montignac, avec d'ores et déjà deux rendez-vous à noter. Un premier, le 5 avril à 18h30, c'est un mercredi, avec une conférence de Jean-Loïc Lequelec qui viendra nous parler de l'origine des mythes d'origine, donc le mercredi 5 avril à 18h30. Et ça sera suivi, puisque c'est une semaine thématique, ça sera suivi d'un spectacle qui se déroulera ici le vendredi 8 avril à 20h, et qui est un récit-spectacle conté avec Jean-Luc Lequelec et la conteuse Bernadette Bidaude. Donc le spectacle s'intitule « De rage, de rêve et d'os ». Et ça porte sur la thématique de nos archéologies intimes et collectives. Le 27 avril se déroulera dans la médiathèque un goûter livre avec Sophie Marvaux, qui est auteure de polar, très documentée, également auteure de littérature jeunesse, et qui viendra au Pôle à l'occasion de la sortie de ses deux nouveaux polars, le chaman de Lascaux et le choc de Carnac. Et puis, comme je vous parlais de clôture de cycle, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer à compter de la mi-avril, et qu'on a préfiguré un tout petit peu en invitant Antoine Balzo, Marilène Patoumatis et Emmanuel Roudier ces dernières semaines, puisqu'il sera tout au long de l'année 2022 donc consacré en Néandertal, à l'occasion donc d'une exposition qui a été conçue par le Musée de l'Homme,
Néandertal, l'exposition, que nous adaptons pour les besoins du pôle et qui sera donc lancé officiellement le vendredi 29 avril. Et nous accueillerons pour ce faire un des deux commissaires de l'exposition, Pascal Depape, donc de l'INRAP, qui viendra donc le 29 avril à 18h30 à la suite du vernissage de l'exposition auquel, bien évidemment, vous êtes conviés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci encore à Claudine Cohen et à Charles Frégé. Et donc, je vous dis à bientôt. Juste une petite précision, on a des ouvrages de Claudine Cohen à la boutique, donc elle nous a donné son accord pour faire des dédicaces, si vous le souhaitez.